On continue avec les contraires. Vous savez que c'est notre fil rouge de la journée, les contraires. Et on est dans les contraires, mais les substantifs. Hein, on est d'accord, c'est pas les adjectifs. On a fait ça hier. La jeunesse, quel est le contraire de la jeunesse ? Et c'est Rouen qui, en première position, nous donne très bien, effectivement, ben, le contraire, hein, c'est la vieillesse. Yossi est juste après, Yulia aussi. Annabelle, faites attention, c'est pas la vieille, mais c'est la vieillesse. La jeunesse, la vieillesse. Voilà, pour l'instant, c'est assez bien. Faites attention, c'est vraiment vieillesse, Stardust. Un petit peu plus généreuse avec deux S si c'est possible. Omar, faites attention, vieillesse E-S-S-E. Regardons ensuite le deuxième. La lenteur. La lenteur. On avait vu l'adjectif lent hier. Quel était le contraire ? Quel est le contraire du substantif la lenteur ? Allez-y. Alors, regardons ensemble en fonction de ce qui arrive. En fait, j'en accepte deux. Et là, pour l'instant, je les ai vus, donc je suis un homme heureux. Et c'est important d'être heureux dans la vie. Alors, le premier que je vais accepter, bien, c'est la vitesse. Hein, donc, la lenteur, la vitesse, mais nous pouvons également... accepter la rapidité. Qui est-ce qui m'a mis la rapidité? Ice Cube, ça a mis la rapidité. Yesero aussi. Alors faites attention. Hein. Brainwash, rapide, ça c'est l'adjectif. D'accord? On avait lent hier. Lent, rapide, ça c'est les adjectifs. Là, on est dans les substantifs. Ok? Donc la vitesse ou la rapidité. Julia, la courteur. Non, on parle, là on parle de la vélocité. On parle de la rapidité. D'accord. Florentine, I'm sorry. You don't need to be sorry. Florentine, the concept. I will give you the translation. But the concept during the lessons would be to open a tab on your browser and then use a dictionary at the same time so you can make a list. This is the concept, okay? So you make a list of all the words that you don't know and it will be much more efficient for you to do it like that, and you will remember them much more efficiently like that too. Okay, so this is the only advice I could give you. But then la lenteur, it's when you're not going fast. So how do you say that when you're slow? What would be the substantive for being slow? Allez, la majorité s'il vous plaît, quel est le contraire de la majorité ? D'accord, hein. Donc on avait vu ça déjà hier, on avait vu majeur, mineur, et donc là, bien évidemment, dans la même logique, la majorité, c'est féminin, la minorité, féminin également. On continue avec le quatrième, la maladie. La maladie, donc le fait d'être malade, quel est le contraire de la maladie ?
Alors, regardons ce que vous mettez. Oui, effectivement. Hein, donc, la santé, hein, ce serait effectivement la première possibilité. Parfois, vous entendez bonne santé, d'accord? Ça, ce serait une deuxième option. Donc, la santé ou la bonne santé. Juan nous propose la guérison. Alors, c'est vrai que ça, c'est des notions qui sont discutables, finalement. C'est-à-dire que la guérison, c'est ne plus être malade. Donc effectivement, on pourrait l'accepter, faites attention, c'est féminin, hein, Juan, la guérison. Mais on va dire que peut-être d'une façon plus simple, le contraire de la maladie, c'est la santé. Être bien portant, Hilary nous dit, pourquoi pas finalement, mais bonne santé, santé, ce serait pas mal. Allez, et le dernier, et là aussi, je pense qu'il y aura des négociations à faire. Mais quel est le contraire de la mort ? Ice Cube. Si on connaît les adjectifs par cœur, c'est facile de faire des adverbes ou des substantifs. Ça dépend comment vous apprenez Ice Cube. Si vous pouvez faire des colonnes, par exemple, vous faites des colonnes avec certains adjectifs et vous allez les. Vous pouvez mettre les verbes, vous pouvez mettre des adverbes. Ça dépend. Mais en général, rapidement, Ice Cube, vous sentez les connexions. Et en plus, avec l'italien, c'est un petit peu plus facile de faire les connexions. Donc logiquement, oui, ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, hein, oui, j'anticipais les deux, hein, parce que clairement, quand on pose ce type de questions, vous avez deux approches. C'est-à-dire que certaines personnes vont considérer que le contraire de la mort, eh bien, c'est la vie. Mais la mort est aussi cette transition. Et donc, si on considère que ça, c'est le contraire que l'on cherche, on va avoir la naissance. Donc la mort, on peut accepter effectivement la vie, c'est-à-dire le fait de vivre, c'est effectivement le contraire du fait d'être mort, mais ça peut être aussi la naissance. Merci beaucoup. Avec un petit koala comme d'habitude, le koala qui fait plaisir. Cassandra nous rejoint aussi, bonjour. Allez, s'il vous plaît, la phrase du jour. Donc c'est pas un mot, on a changé la formule, souvenez-vous, ce n'est plus un mot, c'est une phrase. Une phrase pour résumer votre journée, s'il vous plaît. Alors, Jana qui nous rejoint, ou Yana, je ne sais pas, et après c'est difficile de lire votre nom. Tenzin nous rejoint aussi, bonjour Tenzin, comment allez-vous? S'il vous plaît, participez, une petite phrase pour résumer votre journée, s'il vous plaît. Une phrase, Anne Viking, ce n'est pas, s'il vous plaît, un mot, c'est une phrase entière, merci. Mais non, je demande une phrase, s'il vous plaît, c'est incroyable, incroyable! Les gens ne veulent pas changer leurs habitudes. J'ai pas dit un mot, s'il vous plaît, j'ai dit une phrase, une petite phrase pour me parler de votre journée. David Ben, bonjour. C'est incroyable, les habitudes, et il faut pas avoir d'habitude dans la vie. Allez, Mercuriaman qui nous dit « Ma journée a été super productive ». Eh bien ça fait plaisir. Ça fait plaisir à lire. Gloria qui dit « Je viens de commencer la journée en apprenant le français ». Très bien. Donc c'est une journée qui commence bien, j'espère. Yessero qui dit « N'importe quoi viendra, je suis prêt pour tout ». Yessero, un homme qui est prêt à se battre avec la vie. Kako, alors Kako s'il vous plaît, une phrase. Cosmina qui nous dit « Une journée en figurique ». Ce que j'aime bien c'est que Cosmina elle a pas envie de faire des phrases très longues. Hein. Victoria Jacques, épicé parce que mon déjeuner sera de la nourriture
épicé. Très bien, très bien. Monono qui dit « J'ai fait le jardin aujourd'hui ». Eh bien, ça, c'est bien. Hillary qui dit « Ma journée commence juste ». Eh bien, oui, mais une petite sensation, peut-être. Omar, un tour de garde très occupé et plusieurs heures encore. Ben, bon courage. Vouslat, c'était un jour comme les autres, rien d'extraordinaire. Anne-Vikim qui dit « La journée était splendide ». Ben, vous avez de la chance. Ah, moi, la mienne, elle était un peu nulle. Lynn, je suis prêt à prendre plus. Tant mieux. Roman, aujourd'hui, j'ai une présentation et ensuite cuisiner à la maison. Ça, c'est bien. Yann Arte, je voudrais dormir toute la journée. Eh oui, parfois, il faut juste dormir dans la vie. C'est ça la meilleure solution. Learning languages, ma journée a été normale. Rien d'intéressant. Anne-Vi qui nous dit, qui dit bonjour à Kako, c'est gentil. Stardust, je n'ai rien à dire sur cette journée aujourd'hui. Ce n'est pas l'une des meilleures. Ah, il y en a un, moi c'est pareil, c'était pas la plus grande. Renato, bien qu'il fasse beau, je reste chez moi à voir la leçon. Oh ben c'est gentil, ça c'est gentil Renato. Soukania qui nous dit... Attendez, ma journée aujourd'hui était plutôt banale. Rien d'important, sauf l'attente d'avoir un cours avec Vincent. Oh, c'est gentil, ça c'est très gentil. Cassandra qui dit c'est une journée simple aujourd'hui. Bah voilà, des journées simples. Fizol, ma journée était instable, mais plein d'amis et amusant. Ça c'est pas mal. Sundar, quand je me suis réveillé très tôt... Et après, j'ai bu 2 verres d'eau et j'ai commencé ma journée. Tenzin, je me sens bien car j'ai discuté avec l'animateur. Ah, on ne sait pas qui c'est l'animateur. Fatma qui nous dit une journée qui manque de chance. Eh oui, Fatma, il y a des jours comme ça. On passe et après, on passe à autre chose. Demain est un autre jour. On ne peut pas toujours gagner. Denora, je voudrais me concentrer sur mes objectifs. Eh oui. Sophia X, je demande à mes garçons ce que je vais serrer la vis parce qu'ils se sont assis devant les écrans trop longtemps. Eh oui, c'est ça le problème. Hein. Sophia X, réussir à définir la durée idéale, ça c'est compliqué. David Ben, je suis parti à la plage et j'ai pêché un poisson. Bravo, bravo. Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il était petit? On ne sait pas. Ensuite, Saint-Jean qui nous dit « Ma journée était très bonne ». Evelyne qui nous dit « Bonjour, bonjour Evelyne, Cosmina ». Des gens historiques. Qu'est-ce qui se passe, Cosmina? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Ice Cubes. Bonsoir, Ice Cubes. Victoria Posse. Aujourd'hui était un petit désastre. Tout a mal fonctionné. Ben voilà. J'ai l'impression qu'on est plusieurs. On est plusieurs dans ce cas-là. Monique, une journée pour nager dans la mer 2 fois. Ça, c'est pas mal. Et puis, Kako, il est minuit à Tokyo maintenant. Ben écoutez, restez les yeux ouverts. Alors, pour les gens qui aiment bien Jacques Tati, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est un petit peu le premier jour de fête. C'est pas mon préféré. Personnellement, je préfère Mon Oncle ou Trafic. Mais jour de fête est symbolique un petit peu de Jacques Tati. Alors, je me souviens que Cheryline avait posé la question une fois sur le H. Et elle avait dit, est-ce que tous les mots en H vont avoir une élision? Et j'avais dit, ben non. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a des mots qui vont avoir le H aspiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mots, comme vous le voyez ici, il n'y aura pas d'élision. Ça veut dire que votre article, qui sera avant par exemple, ne va pas être modifié, pas d'apostrophe. Ça, c'est important. Et quand c'est au pluriel, pas de liaison. D'accord? Alors, on va en faire 5 pour commencer. Hein, c'est un petit peu ce qu'on appelle une mise en bouche. Je vais... bien sûr, uniquement vous faire souffrir parce que je vais uniquement lire le mot, essayer de l'écrire. D'accord? Attention, le premier, je vais le lire 2 fois. La hache. La hache. Écrivez le mot, s'il vous plaît.
Alors, je regarde. Faites attention parce qu'on l'écrit comme ça en fait. Hein. Donc, c'est l'outil que vous utilisez peut-être pour abattre les arbres si vous en avez besoin. Donc, eh bien voilà, un exemple de mot qui effectivement est avec un H aspiré. Et donc, ça veut dire que votre A de l'article là va rester là. La H. Allez, un deuxième mot qui fait partie de la même catégorie. Je vais le prononcer deux fois. La est. La est. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Alors faites attention, hein, nous sommes d'accord que tous les mots que nous voyons, eh bien, sont automatiquement avec un H, hein, puisque c'est le concept de l'exercice. Donc le mot commence automatiquement avec un H aspiré. Ici, eh bien, le mot c'est « est ». D'accord ? Comme le H est un H aspiré, votre article « là » restera intact. Pas d'apostrophe, juste « l ». Ah, et après, vous avez votre mot « est ». La « est ». Allez, on continue avec le troisième. Troisième mot, attendez. La « haine ». La « haine ». Écrivez le mot, s'il vous plaît. Ah, bonne question, Georges. je ne peux plus remonter, mais c'est pas grave. Georges, c'est ce qui va être entre deux maisons, entre deux jardins de maisons. D'accord ? Ça, c'est une haie. En général, ça peut être des buissons, ça peut être... Mais c'est quelque chose qui sépare deux jardins. Hein. Alors oui, là c'est la même chose. Alors le verbe, hein, souvenez-vous que c'est un verbe qu'on utilise un petit peu moins maintenant, mais le verbe c'est haïr, hein, on l'écrit H-A-I-R. Le substantif qu'on utilise plus finalement, puisque c'est ce qu'on considère comme étant le contraire de l'amour. Hein. L'amour, la haine, et donc ici c'est la haine, souvenez-vous, donc H-A-I-N-E. Comme le H est aspiré, vous ne touchez pas à votre article. Votre article, eh bien, dans ce cas-là, vous ne mettez pas l'apostrophe, la N. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, donc c'est la même chose. Je le lis, vous l'écrivez. Je le lis deux fois. La halle. La Al, allez-y. Alors, oui, effectivement, hein, donc c'est HAL, on l'écrit comme ça, H-A-L-L-E. Et donc, encore une fois, puisque c'est un H aspiré, vous allez garder votre article intact, et donc c'est LA HAL. Même chose, si vous mettrez le pluriel, vous ne faites pas la liaison, hein, donc LES
Al, on ne va pas faire la liaison, on ne va pas dire les Al, non, 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 on va dire les, on fait une petite pause, Al. Allez, on continue avec le dernier. Regardez le dernier, même chose, je vais juste le prononcer, oh non, deux fois, pardon. La halte. La halte. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Alors, excuse, mais pourquoi? C'est une longue, longue explication. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a deux H. Mais donc, ça vient aussi de l'origine des mots. Alors, j'avais anticipé la réaction de Yossi. Hein. Ne vous inquiétez pas, Yossi, on va continuer. Il y aura des masculins et j'aurai même à vous offrir des verbes, monsieur. Alors, ici, oui, ils sont féminins. Ici, donc, c'était halte qu'on écrit Halte. Et donc, c'est la halte. Même chose, encore une fois, pour le pluriel, eh bien, ce sera les haltes. Et donc, pas de liaison entre l'article les et votre mot halte. D'accord? Allez, on va continuer. J'en aurai 5. Non, j'en aurai 10. 5 et 5, si on a le temps. On va voir combien de temps le cours va durer. Mais j'en ai un petit peu quand même, oui. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas raisonnable. Vous avez la possibilité de cliquer. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, cliquez. Deux réalisateurs très très intéressants, hein, Toledano et Nakash, qui font en général des bons films, et celui-là, je vous le recommande. Alors, j'ai toujours du mal à me remettre de la... De la phrase de Denise. Denise, elle est passée de 30 cm de neige aux toilettes juste après les asperges. Et ça, c'est quand même une flexibilité incroyable. Les pronoms. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va regarder le verbe aimer. Le verbe aimer qui est construit, eh bien, ici, avec un complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct, on va le mettre au futur proche. Et bien sûr, pour compliquer un petit peu les choses, on va le mettre, voilà, à la forme négative. Traduisez-moi cette phrase, et bien sûr, je veux un complément d'objet direct dans votre phrase. Allez-y. Alors ici, je regarde, oui, hein, vous avez compris le concept. Ici, on va utiliser donc le pronom complément d'objet direct. Donc pour la première personne, eh bien c'est me, d'accord? Elle ne va pas. Là, on est d'accord que c'est la forme négative, hein, du futur proche. Me aimer. Et là, bien sûr, le E devra disparaître et hop, vous mettez l'apostrophe. Elle ne va pas m'aimer. Là, on est d'accord. Allez, on continue. Donc, c'est la même logique, c'est systématique. On continue avec la deuxième personne du singulier, s'il vous plaît. Ah
Alors, Cosmina qui explique, étant une plante d'origine méditerranéenne, c'est compliqué de cultiver l'asperge dans mon pays où nous avons un climat tempéré. Non, je comprends, Cosmina. Mais bon, on pourrait discuter de ces choses-là très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ici des tomates qui viennent de Finlande, et c'est très mystérieux, parce qu'ils les cultivent sous serre. Alors ben là, c'est la même chose, on est d'accord que le pronom devrait être le « te ». N'oubliez pas de mettre votre verbe « aimer » à l'infinitif, hein, puisqu'il arrive après « va ». Attention, « va », on est d'accord que c'est vraiment « va », hein, d'accord, puisque le verbe c'est « elle », enfin le sujet c'est « elle ».« Elle ne va pas ». Te, mais le E, vous l'enlevez et vous mettez l'apostrophe et aimer. Elle ne va pas t'aimer. Allez, on continue. On est systématique. Deux, troisième personne du singulier, mais c'est le féminin. Allez-y. Cosmina, oui, des tomates sans goût, oui, mais c'est même pire que ça, c'est pas sans goût, c'est très très acide. Alors ici, oui, tout à fait. Donc logiquement, on devrait utiliser le pronom « la », mais bien entendu, encore une fois, « la » et après, vous avez « aimé », votre « a » devra disparaître, vous mettez l'apostrophe, « elle ne va pas l'aimer ».« Elle ne va pas l'aimer », regardons si ça change pour le masculin. Allez-y, troisième personne du singulier au masculin. Alors, regardons, et ici, en fait, vous remarquerez que c'est la même chose au final, mais faites attention, le pronom que vous utilisez doit être le pronom « le », d'accord ? Elle ne va pas le aimer. Bien évidemment, le « e » doit disparaître, vous mettez l'apostrophe, et vous obtenez au final la même forme que pour le féminin. Elle ne va pas l'aimer. Elle ne va pas l'aimer, d'accord ? Mais les pronoms sont à la base différents. Allez, on continue avec, eh bien, la première personne du pluriel. Allez-y.